Bon, salam la famille, j'espère que vous allez bien. Là, maintenant, c'est parti pour aller à l'aventure. Je vais dans une autre ville qui s'appelle Sousse. Donc, j'ai pris mon bagage, la voiture, et là, je vais diriger vers Sousse, Inch'Allah. Donc, j'espère que tout va bien se passer. Bon, les amis, je suis presque arrivé dans l'appartement que j'ai loué là, à Sousse. Mais, wallah, qu'ici, les dodans, c'est pas des lol. Sur le GPS, il y avait écrit que je roule à 70 km, hein. Mais il y avait un dodan qui est venu d'un coup. Voilà que les dodans ici, c'est pas des lol, c'est chaud. Bon, salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, deuxième jour à Sousse. Donc, je me suis levé un peu vers 9h, un truc comme ça. Et je me suis dit que je vais aller d'abord visiter la grande mosquée à Kairouan. Elle est très connue, c'est une mosquée historique. Et pour ça, en fait, j'ai demandé à quelqu'un avec qui j'ai fait connaissance, à qui j'ai demandé, une amie à moi, de m'accompagner et me guider en fait parce qu'elle est de là-bas. Donc on va aller là-bas, Inch'Allah. Et j'espère que tout se passera bien et que je pourrai vraiment profiter de cette journée-là et visiter la mosquée que j'ai toujours voulu faire. Et puis Inch'Allah, on verra comment ça se passe. Mais par contre, une seule chose très importante, c'est qu'il fait très très chaud là-bas. Il fait dans les 45 degrés à l'ombre. Et après le reste, je sais pas. Mais c'est pour ça que je me suis dit que je vais aller tôt là-bas, dans les coups de 9h, 10h, et après je rentre tôt parce que c'est à 1h quand même d'ici, donc on verra Inch'Allah l'akhir. Mais voilà, je vous emmène avec moi, venez. Bon, salam alaikum la famille. Alors là, on est arrivé à la mosquée de Kairouan, mais avant d'aller à la mosquée, on va prendre le petit déjeuner parce qu'on a très très faim. Et là, le restaurant qui est derrière, c'est juste là en fait, celui qui est en haut. Regardez. Restaurant. Restaurant El Brija. Ham Kerwan Ponjga, j'ai un qui bot plani mosquée. Mosquée bot plani un peu, toi bien j'en ai allé ou pas nashta karne ke liye kuch. Kyunki humne khaya nahi kuch, to abhi nashta ka time hua hamara. Bon, la famille là, c'est bon, on est au restaurant. On est assis, c'est un restaurant historique, typique comme à Kairouan. Et on a pris un petit déjeuner qui s'appelle El Brija. Et voilà. Je vous présente Wafa, ma guide touristique qui est avec moi aujourd'hui. Hello. Voilà la famille, regardez maintenant comment c'est la mosquée de Kairouan. Il commence à faire grave chaud. La température fait que de monter. On est dans les 45 degrés, 46 degrés. Et regardez comment c'est beau. Voilà la famille, regardez là, c'est la mosquée de Kairouan. Et apparemment, pour rentrer dans la mosquée, il faut payer. Genre, pour rentrer dans un lieu culte, en fait, pour faire la prière pour les étrangers, les touristes qui sont là, il faut payer 12 dinars. Astaghfirullah, c'est abusé quand même. Regardez bien, il y a écrit 12 dinars ici. Voilà qu'ils ont abusé. Genre, tu rentres dans une mosquée et ils veulent que tu payes 12 dinars en fait pour la mosquée, astaghfirullah. C'est-à-dire, si tu viens faire la prière ici, un étranger comme moi, il vient faire la prière ici, il faut qu'il paye en fait. Starfall, ça c'est pas bien. Voilà, ça c'est pas bien. Bon, la famille, regardez comme il fait chaud. Je suis en train de transpirer. Il est midi en fait, 13h bientôt. Il fait dans les 46 degrés et ça tape fort le soleil. Voilà, le soleil ici, c'est pas des lol. Il y avait beaucoup de gens qui ont dit que c'était un peu plus de temps.
इतनी प्यारी है और सब कुछ गर्म हो रहा है, फ्रिज भी गर्म है, सब कुछ गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे। जो है जस्ट आले इन फैक्ट फिल्मे लंटर ऑफ द मस्की पर मॉन्ट्रे कमेंट सी बू माशाल्लाह रिगार्डे। Il fait bien frais et c'est beau en tout cas, Michel. En tout cas, ça a l'air beau, c'est calme, propre et beau. Non, c'est une mosquée qui date des années, je sais pas combien, mais une mosquée historique, vraiment historique. Ticket, same ticket, look at picture. Ok. Oh, d'accord, ouais. Ok, I'm told my mother. Bon, là, je suis en train de monter en haut pour voir la vue sur la mosquée. Voilà, je vais monter pour vous montrer la vue sur tout Kelwan. Il m'a dit monte en haut, c'est beau. Voilà. La vue sur la mosquée en hauteur, mashallah. Ouh, il fait chaud. Bon, la famille, moi, j'ai abandonné les filles qui me faisaient visiter Kelwan parce qu'en fait, je vais aller faire les ablutions pour faire la prière de Zohor. Mais le soleil fait grave chaud, c'est un truc de malade. Donc, on va voir ça, les ablutions, c'est bon. Je regarde, mais bon. Je suis venu exprès pour voir la mosquée. Je vais chanter, ça va plaisir. Je suis un prof. Juridique. Mon pouce approche. J'ai fait un accident maintenant, comme vous voyez. C'est un peu difficile pour nous. Il a aussi la mosquée de Barambi. Si vous avez vu un de compagnons de prophète Mohammed. Non, je peux pas encore. Ouais. D'accord. C'est où ça? C'est de l'autre côté. On peut voir la mosquée de Sidi Sahbi. Désolé. Un des compagnons alors de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est du 40, c'est un ville saint, c'est la quatrième ville sainte de l'islam. La Mecque, Médine, Jérusalem et Kéran. Oui. Oh, c'est un lieu sacré, c'est un lieu très très sacré. Ça c'est les années 670. D'accord. Il y a aussi la vieille ville, il y a aussi... De la Kéran ici là. La Kéran aussi. Je vais aller visiter ça aussi après. Inch'Allah, Bouchir. روح اسلام حسني مديت في الراس مديت كل الراس صافا صافا اقعد ليش تدي وزت مون فرير صافا وين باكستان وين شكرا ميرسي شكرا En fait, moi, je suis venu exprès pour cette mosquée-là ici. En fait. C'est vraiment visité. C'est la première mosquée en Afrique. En Afrique, ouais. Bon, maintenant, ça va être l'heure des photos. Que de rencontrer des gens. 5 ans. Merci. En fait, j'ai rencontré un papa en fait, qui m'explique un peu l'histoire de la mosquée. Et c'est un prof juridique. Et il m'a dit, viens, on va faire quelques photos. Parce que c'est une des nombreuses mosquées historiques, vraiment historiques. Quoi. Merci beaucoup, merci comme on dit, merci beaucoup, merci. C'est gentil, merci. Je vais garder ça avec moi, je vais l'emmener chez moi à Paris, Inch'Allah. D'accord. Vous appelez comment? Vous appelez comment, c'est quoi le prénom? Saïdi. Saïdi, d'accord. Saïdi. Enchanté Saïdi, merci pour tout, mon frère. C'est gentil. Merci beaucoup, qu'Allah vous accorde du bonheur et plein de choses, Inch'Allah. Merci.
Voilà, regardez, le papa il m'a offert un tasbih, son tasbih en fait, mashallah. Comme quoi la culture et tout, mashallah, c'est énorme. Je suis très content d'être là, franchement, la famille. Je ne sais pas à quel point c'est beau, franchement, mashallah, la mosquée, l'histoire de la mosquée, il y a tellement de choses à voir et faire qu'on ne se rend pas compte en fait. Mais c'est magnifique, mashallah, franchement. Le cadeau que j'ai eu. Voilà la famille, regardez là, c'est toute l'histoire en fait de la mosquée, regardez bien. यहाँ पे अंदर एक बंदा था एक बंदा जब मैं नमाज़ पढ़ा था तो बंदे के साथ मेरी बात शुरू हो गई थी तो वो मुझे कहता था कि वो यहाँ पे रहता है इधर ही तो मुझे कहानी बता रहा था इसकी ना वो कोई टीचर था रेडिक का टीचर था कोई तो मुझे कहानी बता रहा था सारी ना इसकी ये इस मस्जिद की ना तो जाते हुए उसने फिर मेरी फ़ोटो खींची वीडियोज़ बनाई मेरी और फिर जाते हुए उसने मुझे अपनी तस्वीर दे दी कहते हैं मेरी तस्वीर तुम्हारे लिए गिफ्ट है तो थैंक यू वेरी मच बहुत शुक्रिया उसका बहुत अच्छा लगता है जब आप किसी दूसरे मुल्क जाते हैं और लोग आपको बहुत सारी इज्जत देते हैं मैं इधर आया था तो मैं इनको यही कहा कि सारों को मैं यही कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान से आया हूँ ना कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो वो ज़्यादा आपको ना खुशी से मिलते हैं आपको आपसे खुशी से मिलते हैं दिल से मिलते हैं जब आप उनको बताओ ना कि आप पाकिस्तान से आया इनका मुल्क देखने के लिए मतलब कि आप पाकिस्तानी हो और आपने इनका मुल्क देखना चाहते हो तो इनको और खुशी होती है ज़्यादा तो मेरा मैं जब भी किसी से मिलता हूँ मैं उनको यही कहता हूँ कि मैं पाकिस्तानी हूँ ना तो उन बहुत खुशी से मिलते हैं हमें सारे यही कहते हैं कि हम सारे भाई हैं مسلمان ہیں تو اس لیے بہت خوشی ہوتی ہے ان کو On est venu voir le Medina de Kerouan. Regardez. On va rentrer ici maintenant pour visiter Medina de Kerouan. La famille, il fait 46 degrés, mais la boisson pour se rafraîchir, c'est citronade en fait, à la menthe. Avec la chaleur d'ici, c'est impossible à rester sans ça. Là, on a une autre mosquée en fait, qui est à Kerouan, qui est une mosquée historique aussi, regardez, dans l'allée. Jibba. No. Okay. Voilà, là c'est des petites ruelles en fait, ici, qui sont graves. Bon. Là, il y a vraiment des anciennes maisons ici, regardez. Yeah. Très ancien. Margoum. Yeah. Ah, il y a un autre truc derrière. L'eau là, il dit. Made of hand. Ah ouais. With a hand. D'accord. C'est la traduction. Regardez ça, c'est la rue principale d'ici en fait, de Medina, de Kerouan. Regardez ça, c'est Shishkhan. 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 Yes.
This is for the hands. Yeah. All this. Yeah, all this. C'est fabriqué avec les mains en fait tout ça. Fabriqué à main tout ça. Attends, c'est banal, c'est petit. Or you dress normal gold. Ça c'est normal gold. This is normal gold. You see this? That's the tradition. The lira, name lira. You see face Bourguiba, the president. D'accord. You know Bourguiba? The president of Tunisia? Yeah. The first president. The first one. Yeah. Okay. This Bourguiba. Lira. This one, the lira. The name lira. Là, on va visiter un truc qui s'appelle Barota. Regardez. Wow, c'est bon. It's a real one. Yeah, real one. For the water. Oh. Voilà qu'il y a un chameau en haut pour faire de l'eau, c'est ça? C'est pour votre, c'est pour l'eau, non? Ça va? The water comes from here. Ah. This one comes from the water. This is the water. Ok. Ah, en fait, ils utilisent un chameau pour faire de l'eau, en fait, pour faire tourner l'eau. En fait, le chameau, dès qu'il tourne, en fait, l'eau aussi tourne, en fait, regardez. Bon, là, la famille, c'est le marché de l'or et des tapis, en fait. Il fait très frais ici. Regardez, boca cidre dans une bouteille, c'est grave bon. Hanna, for your hair. Non, non, it's okay. Boca cidre en bouteille, c'est vraiment bon. Des marchés à Kerouane, souk. Mais là, la plupart des magasins sont fermés parce que je sais pas pourquoi. Et voilà. Il y a un pays marqué de l'activité. C'est marqué par ça, marqué de l'activité. Il y a assez marqué un peu l'activité. Donc, tu connais bien les gens qui ont coulé, quand même, d'exceptionnel. Bon, là, il y a un restaurant. Apparemment, ce restaurant, il a été construit après le cimetière. Avant, c'était un cimetière. Et là, ils ont fait un restaurant ici, regardez. Welcome. Abusé, t'es en train de manger, alors qu'en bas, il y a des gens qui sont enterrés, on sait jamais. Ça fait peur, ça. Yeah, but before this, not now. Yeah, before. Yeah, before. Then they have... They're jinn. Yeah, someone dying here and here and not here. No, not here. Voilà que partout les gens sont enterrés, je crois. It's a jockey for you. Non. Voilà, je fais le tour du restaurant un peu puisqu'on vient de manger, alhamdoulilah, c'était très très bon. Et là je fais le tour vite fait pour vous montrer en fait le resto. On dirait pas mais il fait 45 degrés, je vous le dis hein, on dirait pas mais il fait 45 degrés. Ah ça la granine qui est un peu 45 degrés, mais vous pouvez voir ici, vous pouvez voir beaucoup de choses, beaucoup de choses. D'accord, bon la famille là, on a une autre mosquée, assez, un endroit assez culte, historique vraiment, qui est magnifique. Il y a une musique, je sais pas, ils font un baptême ou un truc comme ça. Bon la famille là, il y a un mariage. À l'intérieur du lieu culte. Dehors il y a un mariage, apparemment la musique il ne met pas à l'intérieur parce que c'est pas bien, mais bon, on fait comme on peut. Ah, c'est pour le contrat de mariage. Ah, en fait c'est un coin où ils vont faire des contrats de mariage en fait, c'est à dire comme le Nika, c'est le Nika non? Nika? Okay. Le Nika? Ok, Nika, ouais c'est ça. En fait c'est pour faire le Nika, ils vont là, ils sont.
Well, what is this? C'est un mariage typique tunisien. Musique traditionnelle tunisienne et puis là on va aller ailleurs, c'est bon. Bon voilà, salam la famille. Alors là, je suis rentré de Kairouan, c'était magnifique. J'ai grave kiffé, j'ai passé un bon moment à Kairouan. Tout était au top, j'ai vraiment kiffé et puis là je me reposais parce qu'il faisait tellement chaud dehors que j'étais KO quoi. Donc là maintenant ça va être un peu de repos et voilà, on verra. Peut-être j'irai faire un tour dans la ville à Sousse quelque part, on verra. Voilà, merci. On se voit bientôt, ok?